Bonjour, je m'appelle Eva Gazan, je suis chargée de recherche pour le FNRS en Belgique, où je réalise un postdoctorat au sein de l'Université de Liège. En 2021, j'ai remporté le premier prix jeune chercheur de l'Institut Jane Goodall. Mes recherches visent à développer des méthodes alternatives et robustes pour des inventaires de communautés de primates qui sont le moins invasifs possible, nécessitant peu de ressources et qui vont pouvoir être applicables à des espèces difficiles à observer ou des sujets d'études perturbés, comme par exemple où il y a un risque de transmission de maladies entre l'homme et l'animal. Mon objectif va être d'évaluer la fiabilité de drones avec l'imagerie thermique afin de recenser et de suivre des espèces de primates menacées au Vietnam, telles que les douks, gibbons, langurs et macaques. En combinant des échantillonnages diurnes par observation directe au sol et des enregistrements nocturnes via l'utilisation de drones thermiques, je prévois d'estimer l'abondance de population, la distribution de communautés, mais également de mettre en place une clé d'identification thermique pour chaque espèce détectée. C'est un honneur pour moi de recevoir ce prix qui est une belle reconnaissance de mes travaux de recherche et qui, je l'espère, m'aidera à mettre en place une étude longitudinale qui fera le pont entre la recherche fondamentale et appliquée et avec des implications concrètes dans le domaine de la conservation. Pour le futur, j'ai à cœur de partager et de transmettre mes recherches avec les populations et les communautés locales qui sont impliquées dans la protection et la gestion de la biodiversité. Ces collaborations ont pour but d'optimiser les méthodes d'échantillonnage et ainsi de contribuer efficacement au suivi à long terme des espèces menacées. Merci.